Bonjour. Bon, alors, voilà un nage power. Bon, c'est ici. Bon, là, on a le local technique. On a ça, voilà, et tout. Et nage power, il est là. Donc, du coup, on va parler de comment on règle l'heure. Donc là, on est à 0,00. Et là, du coup, on va tourner la molette pour aller jusqu'à l'horloge. On appuie un coup. Et là, on va régler l'heure. Donc là, il est 10h13. Donc, on va se mettre à 10h, 10h13. Alors, c'est un peu long, mais on y arrive. Voilà. Donc là, 10h13. J'appuie un coup, et là, tac, c'est resté. Il suffit pour pouvoir, donc il suffit que je bouge un petit peu. Là, les voyants, ça c'est pour les plages. Donc en fait, moi je me sers de ce H Power, c'est par rapport au surpresseur qui est là-bas. Le surpresseur ici, ben, du coup, c'est comme un. C'est pour le robot. Et ben, du coup, voilà, c'est lui qui le pilote. Donc là, il suffit que je le laisse comme ça. Voilà, et voyez, il passe à 10h13 et il a les trois voyants qui sont activés. Mais il suffit que je le bouge comme ça. Normalement, il clignote parce qu'il attend qu'une chose. C'est que du coup, je le. Il attend qu'une chose et que, voilà. Et normalement, il repasse automatiquement là-dessus. Mais là, clairement, on a la plage 1 qui est à 0, 2 à 0, 3 à 0. Voilà, tout ça, c'est à 0. Là, c'est à 0 aussi. Voilà, là, c'est à 0. Là, c'est à 0. Et là, c'est à l'heure. Donc voilà. Si ça reste pas à l'heure, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Donc voilà, logiquement, c'est censé revenir. Voilà. Merci.